Des militants ont dénoncé samedi la mise en service d'une centrale à charbon dans l'ouest de l'Allemagne, alors que le pays prévoit d'abandonner ce minerai au plus tard en 2038. Pour les militants, et notamment ceux de Fridays for Future, cette centrale est le symbole de l'hypocrisie du gouvernement allemand. La militante suédoise Greta Thunberg a réagi sur les réseaux sociaux et parlé d'une journée honteuse pour l'Europe. Le gouvernement allemand estime pour sa part préférable de stopper d'autres vieilles centrales plus polluantes plutôt que d'annuler la mise en service de celle-ci. La dépendance au charbon du pays s'est renforcée depuis la sortie du nucléaire en 2011. La fermeture des premières centrales à charbon devrait débuter en fin d'année. Berlin prévoit des milliards d'euros d'indemnisation pour les exploitants, les employés et les régions minières. Avant le lever du jour, Greenpeace a projeté sur la nouvelle centrale « Crise climatique, made in Germany ».